L'heure est au démontage le long des quais du port de la Ciotat. L'édition 2020 des Nauticales n'aura pas lieu. Pour les restaurants, à côté du salon, c'est un début de saison raté. Je suis énervé de ce qui se passe là parce que je ne comprends pas la raison pour laquelle on supprime le Nautical alors qu'il y a le marché le dimanche matin. Je ne vois pas où est la différence. Les exposants aussi sont impactés. Ils ne cachent pas leur déception. Non, c'est irrécupérable puisque là le salon est annulé, il n'est pas déplacé. Donc on va essayer de faire des opérations, on va essayer de faire des week-ends portes ouvertes. Et de toute façon, c'est une grosse perte. Tous le redoutaient. Les Nauticales, c'est plus de 30 000 visiteurs. Le préfet ne pouvait que l'interdire en appliquant l'arrêté du ministère de la Santé. Une application stricte pour tout rassemblement de 1 000 personnes, sauf dérogation. Alors, sauf des rassemblements qui présentent un intérêt pour la vie de la nation, par exemple les meetings politiques, l'exercice des concours, à condition que des précautions soient prises. Mais la règle, c'est qu'il y a donc interdiction. Le représentant de l'État qui ajoute que l'annulation peut s'appliquer également pour des événements rassemblant moins de 1 000 personnes s'ils doivent se dérouler dans des lieux confinés avec un public jugé fragile.